Bienvenue tout le monde pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur Forza Motorsport, encore une fois sur la Ginita, et on va faire une course sur le Brands Hatch Indy pour 8 tours, donc pas de stratégie je suppose, etc. etc. J'ai pas fait les qualifications, bref, en tout cas franchement c'est un petit championnat qui me plaît vraiment, la Ginita. Enfin bref, je vais continuer à montrer un petit peu et nous on se retrouve sur la grille de départ. Allez, on est parti. Je suis en dernière position, avant-dernier. Du coup, parce que j'ai pas fait les qualifications. Allez, on est parti. On est 20 sur la grille. C'est plutôt pas mal. Allez. Quoi ? Le temps total est d'environ une demi-seconde. Putain ! Mais non ! Mais qui est con ? Et donc j'ai une pénalité ? Putain, mais il y a vraiment des imbéciles sur tous les jeux. Hein. C'est très rare que j'ai des courses non fair play sur Forza. Hein. Mais qu'il y en a, il y en a. Hein. C'est qui m'a foutu en l'air là? C'est lui? Je fais la même, hein. Mais putain, mais... Il est débile ou... Mais... Mais il est con. Mais qu'est-ce qu'il est débile! Mais c'est pas possible!
ça, j'en reviens pas, un débile pareil. Faut que je le rattrape, ce con. Ah, quoi ? Le temps total est d'environ une seconde. Tu vois comment il s'est écarté, lui ? Voilà. Là, le marque, là. Faut vraiment que je le rattrape. Hein. Je sais pas si je peux le rattraper. Hein. C'est la première fois que je tombe sur un abruti. Fait chier. Putain, il mérite pas d'être devant moi, lui, hein. Putain. Ah, ça me tue. Je suis dégoûté, hein, parce que franchement, il y avait moyen que je fasse une belle petite course. Je vais regarder si c'est lui qui m'a bousillé dès le départ, mais il y a eu un con, il a fallu que je tombe sur lui. Voilà. Bon, on va voir ce qui s'est passé. Alors là, je suis à l'intérieur, c'est Casino. Je pense que c'était Marc. Donc, je suis bien à l'intérieur, il me voit pas. Bon, bah, tant pis pour lui, c'est pas grave. C'est juste des petits coups de portière, il n'y a rien de grave en soi. Et là, clairement, il a pas freiné. Clairement, là, il s'en battait les couilles que je sois là. Parce que là, on va le revoir comme il faut, regardez bien. Donc, oh, je me faufile à l'intérieur, certes, brusquement, mais je me faufile à l'intérieur. Et lui, il arrive, il voit que je tourne. Voilà. Rien à foutre. Incroyable. On va suivre Marc. Le fameux Marc maintenant en bataille avec moi. Je suis juste derrière. Là, on va me voir me déporter vers la droite. Je suis bien sur la trajectoire. Lui, bon, lui il revient sur moi. Bon, là, il n'y a pas mort d'homme, c'est rien et tout. C'est pas grave en soi pour l'instant. Là, il freine un poil trop tôt. J'en profite pour me mettre, essayer de porter une attaque. Là, je lui laisse la place. Et là, il se déporte par là, tu vois. Pourquoi? Je ne sais pas. Là, je suis à l'intérieur.
j'essaie de m'éjecter à l'extérieur. Pareil pour là, là je recroise. Il me tamponne, il revient vers ma trajectoire, sur ma trajectoire. Je sais pas pourquoi. Là, je suis derrière lui encore une fois. On l'entend. Là. Je force à l'intérieur. Et voilà. On voit bien qu'il... Là, non, c'est pas possible. En fait, là, faut que je regarde son volant, en fait. Parce que je peux pas regarder à l'intérieur. Il n'y a pas de vue intérieure. Les adversaires. Donc là, il me voit dans sa trajectoire. Regardez, regardez son volant. Regardez comment il est. Tu vois? C'est pour me foutre en l'air. Je suis désolé. Son volant, il est comme ça. Il essaye vraiment de me foutre dehors. Bref, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Dites-le-moi dans les commentaires. Mais sincèrement... Bah, je trouve ça dégueulasse, en fait, de la part de ce joueur. Alors, je ne dis pas que peut-être que moi, j'ai fait, au vu du ralenti, j'ai regardé un petit peu, et honnêtement, bah, je pense que, voilà, j'ai peut-être des torts. Je ne dis pas le contraire, de façon que je passe, que je force un petit peu le passage. On m'a toujours dit qu'il faut que, à un moment donné, il faut que je rentre dedans, donc je rentre dedans. Je me suis plaint de l'action du premier du casino, aussi, et je vois que sur Marc, j'ai fait un peu la même... boulette, on va dire, à forcer un peu le virage, le passage. Mais clairement, on voyait très bien qu'il mettait son volant comme ça, à un moment donné, pour dire de m'éjecter vers l'extérieur, quoi. Et ça, c'est abusé, c'est abusé. Et je supporte pas que des gens comme ça puissent ressortir devant toi, en fait. Et le contact, j'ai eu un léger contact, ça m'a pris une demi-seconde. Je trouve ça un peu abusé. Bref, sinon, dans l'ensemble, c'était une course... J'aime bien rouler avec cette voiture, je pense que je vais en faire d'autres. Je suis désolé de ne pas vous montrer de contenu de Gran Turismo en ce moment, mais en ce moment, je ne peux pas. Voilà. Bref, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de venir me suivre en live sur Twitch. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao tout le monde.